On va découvrir ensemble, les amis, FIFA, oui, je commence déjà le petit fail classique. Découvrir PES. Bon, quelle langue on met? Allez, français pour commencer. On va découvrir un petit peu en stream, voir un peu comment ça se passe. Alors déjà, quand je vois le fond, ça me rappelle les bons vieux PES. Domicile. Ah ouais. Commence direct, là. Arsenal, j'aime beaucoup Arsenal. On va jouer avec Giroud. Alors, on peut pas faire trop fort, parce que sinon, ils perdent beaucoup. On va faire contre le Barça. C'est équilibré. Bon, on va regarder ensemble. Oh, putain, je vais être paumé. C'est sûr que je vais être paumé. Voulez-vous continuer d'utiliser les réglages charme dans le plan de jeu? Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, ouf, putain, le menu. Et ça, c'est un menu qui pourrait être bien pour FIFA. Changer un peu, c'est cool. Là. Non, mais je suis trompé, je voulais mettre Walcott, pardon. Ah oui, Walcott, plus de vitesse. Sanchez, 83, gros. Ouh. Ah, mais après, des fois, ils auront les postes. Giroud en pointe. Défense, merci encore. En fait, c'est la meilleure équipe qu'il y a. Hein. Y a pas mieux, gros. Ah, et son petit gazon là. À la place, c'est qui lui? Ramsey? Coquelin? Bon, on va virer, oui. Il passe à 83, mais Sanchez il a pas ça normalement. En vrai, Sanchez il a combien? On va essayer avec lui pour voir. Il a 81, c'est utile, pardon. Merde, j'ai fail. Mais c'est compliqué à manier là. Combien il a Sanchez en vrai? Je mets un jour au pif. Il a 87, mais il est AIG, ouais, ok. Bon, bah ça va être compliqué, hein. Giroud, Walcott, Ramsey, Mertzker, capitaine. Déjà la vitesse, tu vois, regarde, en bas, le point frérot il est déjà collé. Genre, limite au centre, pour dire qu'il est vraiment rapide. Ça se voit. Le stade. Oh, il est joli, hein. Camp Nou. Oh, il est beau, regardez. C'est joli, le stade, là, non? Pas mal. Option générale, on va regarder un petit peu au niveau du match. Normal. Ouais. Bon, allez, on va tester et voir un peu ce que ça donne. C'est bien, en fait, il n'y a pas beaucoup de son dans le jeu, en général. Hein. Allez, coup d'envoi. Bah, on va essayer de jouer comme il faut, hein. Là, ça va être compliqué. Mettez touche. Ouais, ouais, mais je sais pas comment on fait les touches. Peut-être à la cheval start, on verra bien. Mais ça se trouve, j'ai les bonnes touches parce que moi, c'est les touches des anciens PES que j'ai. Hein. On va essayer de découvrir, ça va être compliqué, je pense. Hein. Mais bon, ça se trouve, ça va être super bien. Hein. Oh, c'est joli par contre. Hein. Oh, c'est joli. Hein. Oh, oui, c'est joli. Hein. Ça se trouve, c'est un peu ce qui manque sur un FIFA, des petites animations comme ça, là. Tu vois, mais bien. Oh, les joueurs sont bien faits. Hein. 7, Insta, Mersucker. Ouais, c'est quand même bien fait, les joueurs. Hein. Wow, ça, c'est le genre de petite cinématique un petit peu originale qu'on voit pas forcément tout le temps sur FIFA. Ça pourrait être bien. Public qui applaudit là. Oh, et le jeu, il est vraiment beau. Hein. Vraiment beau. Hein. Ouais, c'est joli. Hein. C'est quand tu essaies. Ah, c'est ça qu'on pourrait. Ah merde. Bon, bah, j'irai modifier après. Graphiquement, il est chaud. Ouais, elle est jolie là. Ça, c'est le genre de petits trucs, ça serait bien, tu vois. Sur FIFA. Toi là. Après, c'est que c'est cinématique. Des fois, c'est chiant les cinématiques. Faut être franc. Des fois, c'est chiant. Bon, on va voir si j'ai les bonnes touches. Oh là, je centre. Ouais, c'est bon. Hein. Ouais, j'ai les bonnes touches. Ah, par contre, non. Pas les bonnes touches pour courir. Ouais. Bon, bah, dites-moi ceux qui savent sur le chat du stream. Là. Moi, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, faut que je cours avec la mauvaise touche. Oh, merde, ce cœur qui court, ça se connaît. Hein. Toi, c'est un jeu qui pourrait bien m'aller parce que j'aime beaucoup jouer en passe. Après, c'est quand même. Caméra est bizarre. Hein. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas joué une caméra classique, on va dire. Ah, elle bouge la caméra, c'est stylé. Hein. Ça suit bien le ballon. Il y a pas de. C'est bien fluide quoi. C'est vrai que le jeu il est bien optimisé. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de léger flou et tout. C'est quand tu choisis de. C'est choix de côté. Ah ouais? Ouais, bon, on verra bien. Si, je crois que c'est bon. Mmh. Et c'est bizarre, je trouve que le jeu il est un peu lent là dans ce genre de truc, c'est un peu lent. Merci pour le follow, frérot. Eh mais zut, je peux pas trop dribbler, c'est ça qui est dommage. Les passes en triangle se font un peu lentement. Hein. Enfin, après, faut peut-être bien jauger aussi. Tu sais, genre bien appuyer sur la touche. Oh la, fin de frappe, elle est chelou. Hein. Oh la fin de frappe, elle est quand même bien faite, mais elle est un peu chelou. Oui. Oh, ça fait marquer. Ouais, quoi qu'au final, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Faute. Franchement, après c'est que moi, les dribbles, c'est vraiment un truc qui manque vraiment à PES. Tu sais, genre le truc réel, après c'est... Oh putain. Ah ouais, quand il accélère, il rigole pas lui. Hein. Bien joué, le retour de Nacho. Oh, bien joué ça, Walcott. Bip bip, allez. Oh, ah, on peut dribbler un petit peu quand même. Hein. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait comme dribble, mais... Pas fait exprès. Bien joué ça. Allez Sanchez, boum!
Oui, bien joué Sanchez, allez, célébration B. Ah, c'est stylé. Tu peux choisir tes... Ça serait bien ça aussi qu'on ait un petit truc à droite qui s'affiche dans FUT. Là, tu vois les célébrations. Des fois, pour s'en rappeler. Eh, belle action là. Et on tire entre la surface. Bon, le tir qui m'a l'air un peu cheaté, hein. Un peu speedy, mais ouais, quoique, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. Pour arc-en-ciel, c'est deux fois R3. Ah ouais? J'irai essayer. Ah, c'est pas désagréable. Après, je trouve que... manque un peu de... des fois un peu plus de vivacité dans le jeu. Les mouvements, des fois, sont un peu bizarres, mais... moi, j'ai quand même fait quelques petits matchs, hein. Peut-être fait une trente, quarantaine de matchs sur... Oh, magnifique! Oh, c'est stylé! Arc-en-ciel avancé avec... elle est bien fait en plus, hein. Avec... comment il s'appelle? Bellerin. Bon, en vrai, je sais pas s'il le fait très bien, mais... regarde ça, hop là! Oh, joli! Faute. Pas de faute. Et Giroud. Walcott, un bon centre. Oh, ils ont bien fait les centres, hein. La trajectoire, elle est bien. Eh, mais elle a l'air pas mal, ce petit PES, hein. Je vais peut-être voir des vidéos sur la chaîne, hein, cette année, hein. Mais elle a l'air sympathique. Après, le système de... mon club, là, avec les petites boules, là. Ouh. Eh, le jeu a l'air bien. Après, c'est vrai que c'est un jeu beaucoup en passe. Et je pense, pour être bon à FIFA, faut passer par PES. Parce que c'est un jeu qui nécessite beaucoup de tactique de jeu. Beaucoup de passes, très peu de dribbles. Et vu qu'il n'y en a pas quasiment. Il n'y a pas d'autres dribbles, non? Ouais, passement de jambes comme ça. Avec Théo Walcott. Ouais, ouais, passement de... ouais. En fait, c'est des trucs simples. C'est un jeu simple. Et des fois, c'est un jeu sans prise de tête. Peut-être un peu moins ragé que sur FIFA. Bellerin. Ouh, pied gauche. Ouais, c'est pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour une fois que tu rages pas. Ouais, c'est ça, hein. Je pense que le jeu, il est pas mal, hein. Bellerin, puis les arc-en-ciel, c'est un peu cheaté. Ouais, j'avoue, c'est un petit peu cheaté. Mais en vrai, je pense que tout le monde sait faire un arc-en-ciel avancé, hein. Enfin, même moi, je t'ai fait un arc-en-ciel avancé, et pourtant, j'étais un défenseur, tu vois le truc. Donc, je pense qu'au final. Oh, alors, ça, par contre, ça j'ai jamais compris. Faut faire toujours l'inverse. Quand tu vas à la gauche, faut mettre à droite. Voilà, tu peux lever un petit peu, on va essayer comme ça. Oh, en vrai, c'est de la précision. Ouais, bien tiré celui-ci, je crois. Oh oui, bien tiré. Pile pour le jeu, je voulais. Ouais, bien joué. Eh, hey, il m'a l'air pas mal, ce petit PES, hein. Les amis, je crois que je vais me l'acheter, le petit PES. Oh, eh, hey, c'est pas mal. Eh, hey, les petits contacts épaule contre épaule. Il y a quoi? Il n'y a pas d'autres dribbles? Et, what? C'est qui le nom de jardin? Ah, c'est Ramsey? Tellement qu'il est blond, tiens, qu'il est chauve. Attention au centre. Oula. Bien joué! Ouf, allez, on peut couvrir. Eh, là, on va mettre deux coups de joystick, hein. Bon, mi-temps, 1-0. On mène 1-0. Et oui, Arsenal mène contre Barcelone. Ils sont bien faits, les joueurs. Eh, Sanchez, il est vraiment bien fait, hein. Après, là, faut pas critiquer FIFA sur ça, par contre. Parce qu'ils ont quand même bien bossé cette année. Mais c'est vrai que PES a toujours eu des fois des bonnes petites têtes. Hein. Eh, la possession, tire, tire. Eh, ça, c'est un truc, tu vois. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose, la présentation. Mais c'est tellement plus réaliste. Tu vois le truc. Là, on dirait vraiment un match de LDC, tu vois, Canal, un truc comme ça. Bien détaillé. C'est pas mal. Allez, statistiques individuelles. Alors, on va voir. C'est qui a marqué? C'est Sanchez. Un but marqué, un tir cadré, passe réussi. Ah oui, c'est bien ça. Statistiques bien détaillées, interception, temps de jeu, ballon touché, 7 ballons. C'est qui a touché le plus de ballons? 8 pour Bellerin. Eh, Bellerin était chaud là. Giroud, 2 ballons touchés. Kappa. Vitesse moyenne, 12 km/h. Et 20-25 heures, grand rigole. 10 km/h, ça va. Tout comme Cochini. Ouais, en fait, là, après, ça dépend les appels. Ah, mais c'est la vitesse moyenne, pardon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire un petit changement. Plan de jeu. Et je vais faire entrer. Qu'est-ce que j'aime bien, tiens. Allez, Gabriel. On va le faire rentrer à la place de. Par contre, c'est un peu chiant, ça. Mertesacker. Puis on va faire rentrer Dani en pointe. Le Giroud, on l'a pas trop vu. Voilà. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Et deuxième mi-temps. Oui, ça m'a l'air pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. N'hésitez pas aussi à réagir, que ce soit peut-être dans la vidéo que je vais vous proposer, dans le chat. Mais c'est vrai que le petit PES, c'est sympathique. J'aime beaucoup. C'est un jeu que je reprochais lent dans la création.
Enfin, genre, c'est un jeu qui est privé de dribble, donc des fois t'as un peu moins de percussion. Mais au final, la vitesse de jeu est plutôt agréable. Donc, pour moi, c'est ce qui me gênait principalement. Par contre, faut bien appuyer ses passes. Hein. Bien joué, ça. Petit pressing. Faut pas hésiter d'appuyer sur la touche. Hein. Oh là là, le petit effet. Oh, oh là là. Pardon. Excusez-moi, je me suis enflammé là. Là, on va tirer. Ouf. Eh, pas mal. Hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Eh, la petite action. Oh, Sanchez, si t'as fait un contrôle. Tu vois, c'est le genre de truc qu'on aime bien voir. Là, il se rapproche vraiment d'un jeu réel. Tu vois le truc. T'as un petit peu de dribble, mais pas trop. On se rapproche vraiment d'un bon truc. Vraiment d'un bon petit truc, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Oh, la percussion. Eh, quand on accélère, ça se connaît, par contre. Hein. Bien joué, ça. Ah non, c'est pas là. J'ai pas assez appuyé, pardon. Ouais. Après, c'est pas du multiliga. Oh, bah justement, justement. Parce que si on se base par rapport à FIFA, la carrière, c'est plus lent que le mode multi. Donc là, je pense que le mode multi va être assez tonique, assez vivace dans le jeu en lui-même. Donc, pas mal. Oh, les fins de frappe, elles sont bien faites. Hein, regardez. Un petit changement. Ah oui, c'est stylé. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Mais l'accumulation de pas grand chose, au final, ça a fait de bonnes choses. Ouh. Ah oui, eh. Ils ont bien bossé, ça, les Konami. Il faut être franc, faut savoir connaître. Je suis pas un pro FIFA, j'aime le jeu de football. Donc, tu joues au meilleur jeu, tout simplement. Mais c'est vrai que le retard de. Pour moi, le retard PES commence à diminuer. Le jeu est beaucoup plus poussé. Peut-être allouer un peu plus de moyens, après, je sais pas. Hein, par rapport aux précédents PES. Mais la vitesse de jeu, grande. C'est quoi le petit trait qu'il y a là? C'est la protection de balle, on dirait. Ou des sortes de petits contrôles courts. Je connais pas tout, hein. Je suis pas un... Oh, quand on arrête. Essayez ça. Ouais. C'est pas grand-chose, comme je vous l'ai dit, mais... Pour moi, c'est satisfait de cette petite découverte. Bon, c'est qu'une démo, hein. C'est qu'une démo. Mais agréablement surpris. J'essaierai quand même, mais je pense que ça... Oh, mais là, mais là, je vous ai pas dit de faire un choix de... Tu peux jouer à plusieurs jeux, et si PES t'aime bien, tu peux jouer aussi, hein. Le mode My Club est pas mal aussi, hein. J'ai pas joué beaucoup au PES, enfin du moins plus le temps passe, moins je jouais, faut être franc. Au précédent, je jouais beaucoup et plus le temps passe, moins j'ai joué à PES. Mais le gameplay m'a pas l'air fort désagréable. Surtout la création de jeu, faut vraiment jouer au jeu de foot, tu vois. Enfin, pour moi, ça se rapproche plus d'un jeu réel. Le centre. Oh oui. Oh putain, Welbeck. Et la corpulence du joueur, elle est bien faite. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Konami investissait plus, c'est normal, et là il réinvestissent, oui, il réinvestissait plus, c'est normal, et là il réinvestissent, oui, c'est ça ce que je te disais en fait, je pense qu'il y a un peu plus de budget dans le jeu. Ouais, c'est quoi le mode My Club? C'est en gros, ça te fait penser à FUT, c'est un mode comme FUT, mais qui est vraiment différent de FUT. Sort Messi pour faire rentrer, ça me rend d'accord. Là c'est marqué un petit deuxième but. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Après, j'ai pas trop poussé, parce que des fois le petit souci c'était un peu les frappes, des fois c'était un tir cadré, un but, le gars était pas très bon. Après, on n'a pas eu beaucoup de frappes, hein. Donc je sais pas. Mais pour moi, je suis assez satisfait. Oh putain, comment tu veux tirer? Alors là, faut viser comme ça. On va viser la petite lucarne droite. Ah, on peut pas? Ah si, comme ça. Oh, c'est compliqué à viser, faut être une putain de précision avec le joystick. Voilà, là. Ouais, c'est compliqué. Oh, et les coups francs, c'est gavé et compliqué. Parce qu'en gros, quand tu veux viser à droite, faut que tu mettes ton joystick à gauche. Quand tu veux viser à gauche... Faut que tu mettes ton joystick à droite. Wouah, c'est gavé compliqué. Hein. Ça, par contre... Bon, il n'y a pas eu de but en seconde période, mais... Oh là là. Petit pressing de Nacho, là. Il manque un peu de dribble, c'est vrai. C'est vrai. Les pro skillers vont être déçus, mais... Non. Oh, putain, la vite. Oh, bien joué, sortie du gardien. Et c'est quoi le mieux, My Club ou PES? Non, mais en fait, non, mais My Club, c'est un mode de jeu de PES. C'est ça. Bon, fin du match, ok. Il y a tellement de commentaires, j'arrive pas à les lire. Genre, désolé si j'en rate. FIFA, c'est 10 fois mieux, il n'y a pas dit. Ah, c'est un style de jeu différent. Là, on se rapproche plus du réel, selon moi. Après, pas pour autant que je vais pas du tout jouer à machin. Ça c'est sûr et certain. Regarde, alors, les cinématiques, elles sont quand même bien. Faut être franc, les cinématiques, c'est pas grand-chose.
Mais c'est un petit plus, faut être franc. Regarde, dans différents angles, on voit le but de... Ouais, bien joué. Pas mal. Et après, tu passes avec le start. Ouais. C'est tout réalisé, les coups francs dans la vie, les marques pas souvent. Ouais, c'est ça ce que je dis, c'est un peu plus poussé sur le réel. On va voir un petit peu au menu ce qu'il nous propose. Eh ben, on va s'arrêter là pour le moment pour PES. C'était plutôt très intéressant, les amis. N'hésitez pas à me dire si ceux qui peuvent voir la petite vidéo, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez pensé du jeu, si ceux qui l'ont testé. C'est pas forcément un jeu qui va remplacer FIFA à l'heure actuelle. Mais l'écart peut se resserrer un petit peu avec FIFA, du moins de la jouabilité. Après, il y a des modes de jeu qui ont été inventés par FIFA, The Journey qui vont arriver, etc. Mais peut-être que PES peut faire quelque chose d'intéressant. À voir en tout cas.